Alors que la Coupe du Monde au Qatar commence, les critiques de la communauté internationale ne tarissent pas. L'Émirat serait l'ennemi des droits de l'homme, son système financier serait trop opaque et les conditions des travailleurs étrangers trop désastreuses. Le groupe Emiré Imam tient à rassurer tout le monde et à montrer que le Qatar est aujourd'hui sur la voie de l'ouverture, de la liberté et de la bienveillance. Tout le monde va nous regarder. Les télés du monde entier. Alors les coups de fouet, les pierres, nous, on laisse tomber. Oui, les lois, la rivière abandonnée. Oui, oui, vive les couples LGBT. Oui, oui, tout le monde peut s'en couper. Oui, oui, nos prochaines, c'est terminé. Ils ont quitté leur terre. Dépenser leur salaire pour se payer un billet. On peut plus imposer les lois. On va laisser les cheveux au vent. Comme si le Qatar c'était l'Occident. On peut plus imposer les lois. Promis, on va fermer le Coran. Dans nos stades en plein désert, il fait 53. C'est l'enfer sous nos djellabas. Clim en plein hiver, j'ai besoin de froid. Tu m'en fais à Doha, c'est quand même super sympa. Pourquoi pas climatiser tous les mirages. On est parti d'un tas de sable pour construire des super stades modernes et connectées. Alors faites pas vos misérables, vous serez bien contents d'y aller. Ils sont safe, personne se blesse, sauf deux, trois ouvriers. Oh, laissez-nous chantier, faut pas écouter la presse, y'a du zéro décès. Oh, laissez-nous chantier. Yeah.
Nathalie, il construit du stade en trois nuits. Tout au long d'Athalie.